OCN Open Door Communication Network Our Frequency. Watch us live stream 24 hours. OCN giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans notre émission à l'école de Jésus. Je suis le pasteur Kalama Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. La fois passée, dans notre première émission, nous avons vu qu'il y avait deux sortes d'enfants. Il y avait l'enfant de Dieu et l'enfant de Satan. Nous avons longuement expliqué comment devenir enfant de Dieu. C'est simple. Il fallait seulement recevoir Jésus étant ton sauveur, ton maître, ton Seigneur, dans votre cœur, par la foi, c'est-à-dire en confessant, en parlant, en déclarant de sa bouche, selon Romain, chapitre 10, verset 9, il dit ceci, « Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. » En faisant cela, Jérémie, Selon la Bible, vous êtes devenus enfants de Dieu. Alors, maintenant, on est enfants de Dieu. La Bible nous appelle de bébés spirituels. Donc, tu es bébé en Christ. Un bébé, il doit prendre le lait spirituel pour grandir. Si vous recevez seulement, vous recevez seulement Jésus et vous n'êtes pas allaité, vous n'allez pas grandir. C'est comme un bébé physique. S'il si ne prend pas le lait de sa mère, il ne peut pas grandir. Alors nous aussi, spirituellement, c'est la même chose. Notre lait spirituel, c'est la parole de Dieu. En accord avec euh, la Bible. Maintenant, j'ai reçu Jésus. Je suis devenu enfant de Dieu. À quoi dois-je m'attendre Je dois faire quoi Je dois lire la parole de Dieu régulièrement. Je dois... La confesser, la répéter, je dois piller et puis obéir à la parole de Dieu. Mon lait, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va me permettre de grandir. Mais il y a beaucoup de sujets dans le corps de Christ qui souvent découragent les enfants de Dieu, les bébés spirituels qui viennent de naître. D'ailleurs, Jésus a dit dans Luc chapitre 6, verset 40, si vous permettez, je vais le lire rapidement. 6, 40. Il est dit ceci Le disciple n'est pas plus qu'un le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dans ce passage-là, nous voyons que Jésus nous parle des situations extrêmes. Les disciples, c'est celui, le bébé spirituel, que tu es devenu aujourd'hui. Tu as crié en Jésus. Mais si tu suis une formation dans une église locale, à la fin de cette formation, tu seras comme ton maître, bien ton pasteur. Mais au début, le pasteur a beaucoup de connaissances bibliques que toi. Toi, tu es un bébé, tu ne connais presque rien, tu as seulement reçu Jésus. Mais si vous allez rester fidèle à ton église locale, si tu vas rester fidèle à l'homme de Dieu que Dieu a mis là comme pasteur, lui va t'entraîner, il va te nourrir, il va t'instruire. Et à la fin, tu auras la même connaissance que ton pasteur, ou, même, ou bien même plus. Maintenant, si vous restez isolé, ça ne vous servira à rien, tu vas rester toujours un bébé. On ne verra pas la différence entre toi et le païen qui n'a pas cru en juste. Alors, je vous encourage, comme je l'ai dit, de trouver une église locale où la parole de Dieu est enseignée correctement, où les dons de l'Esprit Saint sont en action, où les enseignements de l'Esprit Saint sont donnés. Maintenant, tu me diras comment faire. Tu peux prier, demander au Seigneur de te guider dans une église quelconque. Que lui a dessiné pour toi. Et quand tu arrives là-bas, tu dois te soumettre à l'homme de Dieu que Dieu a placé là-bas. Alors là, tu vas grandir comme nous aussi, on a grandi. On a fait le même chemin que toi. Maintenant, je disais qu'il y a eu un changement d'état. Tu étais dans le ténèbres, maintenant, tu es dans la lumière. Alors, je vais faire un peu marche en arrière pour te montrer qu'il y a eu vraiment un changement. Quand vous croyez en Jésus, il y a un changement. Nous allons lire maintenant Jean chapitre 5, verset 24. Alors, il est dit ici, Jésus nous dit ceci, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit lui qui à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. C'est la deuxième fois que nous voyons cela. Quand vous croyez en Jésus, il n'y a, a pas de jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, un païen, lui, la colère de Dieu demeure en lui. Il est dans la mort. Tandis que toi qui as reçu Jésus, Jésus est le prince de vie. Maintenant, tu as la vie éternelle en toi. Si vous avez cru en Jésus, vous ne serez pas jugé. Alors, maintenant, les jugements dont on parle, quels sont les motifs pour lesquels sera jugé Ce n'est pas les péchés que tu commets maintenant, les actes que tu es en train de faire maintenant. Ce n'est pas ça. On ne va pas te juger pour ça. Écoutez bien, ton jugement sera dû à quoi Les jugements dont on parle ici, je reprends dans Jean chapitre 3. Verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, voyez, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, on parlait du jugement. Écoutez bien, celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Oui. Mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé. Pourquoi il est jugé La Bible nous dit parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu. Voilà le jugement. Donc si aujourd'hui vous entendez sa voix, vous ne croyez pas, on dit même hein, vous êtes déjà jugé. C'est-à-dire que Satan a déjà été jugé, vous le savez, la même punition de Satan vient sur toi. Mais si vous croyez en Jésus aujourd'hui, vous êtes exempté. Donc, vous ne serez pas jugé. Alors, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, ils sont dans les ténèbres. Ils ne sont pas dans la lumière. Parce que les ténèbres, c'est Satan. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand Jésus a rencontré l'apôtre Paul, alors, dans Acte, chapitre 20, je crois, verset 18, il est dit, euh, non, non, pardon, euh, 26, Acte 26, 18. Alors, là-bas, il est dit quelque chose d'intéressant. Il lui dit ceci, 16 à 18, Jésus lui dit ceci, verset 16, acte 20, euh, 26, verset 16, Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alors, verset 17, voilà maintenant la mission, j'étais choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Écoutez bien. Souvent, on décourage les bébés spirituels, les nouveaux disciples, avec l'histoire de délivrance, les péchés, les prières. Alors souvent, ils sont dans la confusion. Mais écoutez bien ce qu'il dit ici. Au verset 18, on dit ceci Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent. Des ténèbres à la lumière, ça se fait le même jour, où tu crois en Jésus. Enfin, qui passe de la puissance de Satan à Dieu, ça se fait le même jour. Et en plus, on dit, pour qu'ils reçoivent, en croyant en moi Jésus, le pardon des péchés et l'héritage réservé. Saint. Vous voyez, comme on a vu la première leçon, dès que tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu es passé des puissances de Satan à Dieu. Et ce qui est encore formidable, on nous dit que tes péchés ont été pardonnés. Pas seulement pardonnés, ils ont été remis. C'est ce qu'on appelle la rémission des péchés. Tu n'as pas à t'inquiéter des péchés commis avant de croire en Jésus. Ce qui enseigne que tu dois confesser tes péchés avant de croire en Jésus, ce n'est pas biblique. supposant que tu es à l'âge de 40 ans, peux-tu te souvenir des péchés que tu as commis? à l'âge de 20 ans, à l'âge de 10 ans, combien de temps te faudra-t-il pour confesser ce péché Si on fait un peu de mathématiques, en moyenne, si tu commets un péché par jour, à la fin de l'année, tu vas commettre à peu près 360 ou bien, mettons, 400 péchés. Es-tu capable de te souvenir de ce péché-là, de les confesser Maintenant, si tu as l'âge de 40 ans, si on doit multiplier 400 péchés par an, multiplier à 40, ça fait combien À peu près 16 000. Peux-tu confesser 16 000 péchés toi, avant de croire en Jésus Non. C'est la raison pour laquelle Jésus te donne quoi La rémission de péchés. C'est-à-dire, tous tes péchés sont remis. Quand on te donne la rémission, tu n'as plus rien à voir avec ces péchés-là. Le sang de Jésus est venu justement pour laver ses péchés. Tu as été purifié, lavé, justifié, sanctifié. Alors maintenant, je te dis, tranquillise-toi de péchés que tu as commis avant de croire en Jésus. Nous venons de voir ici que tu reçois le pardon des péchés. Je disais tout à l'heure, la fois passée, j'avais dit... Dans Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit Voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si le péché est ôté, il n'est plus là. Donc, quand tu crois en Jésus, au moment même que tu crois en Jésus, on te dit que tu as zéro péché. Parce que les péchés ont été purifiés, lavés, tu as été sanctifié. Justifier au nom de Jésus. Donc, tu as zéro péché. Tu commences une nouvelle vie. Tu as tourné une nouvelle page. Alors, le péché que tu vas commettre après avoir cru en Jésus, c'est ce péché-là que tu dois confesser selon 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit ceci. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous les purifier. Le sang de Jésus continue à te purifier. Cela te permet de rester toujours avec zéro péché. Quand tu commets un péché en tant que chrétien, tu t'en rends compte. Tu le confesses, tu retournes à zéro péché. Là, tu gardes ta paix et ta joie. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont reçu Jésus, ils avaient beaucoup de joie, beaucoup de paix. Mais après un certain moment, ils commencent à perdre la paix et la joie. Ils ne savent plus ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils commencent à avoir même des problèmes plus que les païens. C'est suite à ça. Alors, dès que tu commets un péché, selon les Écritures, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, on vous recommande de confesser votre péché. Quand vous, la, quand vous le confessez. Jésus va te pardonner. C'est ce qui te permet justement de garder votre joie, votre paix dans le Seigneur et de grandir. Ne reçois pas les sentiments de culpabilité, les forces d'accusation qui viennent de Satan. Satan va te malmener en te disant Ah, comme tu as péché, Dieu ne t'aime plus, et ainsi de suite. Non. Dieu continue à t'aimer quelle que soit ta condition. Mais il n'aime pas les péchés. Mais, mais toi, il t'aime. Alors, pour montrer ta reconnaissance en Dieu, tu vas vivre une vie où tu fuis les péchés. Et pour fuir les péchés, mon cher ami, tu ne peux pas le faire avec ta propre force. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui que Dieu t'a donné pour t'aider sur la terre. Alors, je crois que dans les prochaines émissions, on va parler justement du Saint-Esprit. Et maintenant, on parle un peu sur le, sur le salut. Alors, je reviens encore. La Bible nous dit dans, dans Jean chapitre 4, verset pardon, dans Acte chapitre 4, verset 12. Nous allons voir ça. 4, verset 12. Il est dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel. Aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Donc, je reprends. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc, je disais, par la naissance biologique physique sur la terre, même les bébés qui nous donnent naissance sur la terre, quand ils entrent sur la terre, spirituellement, ils sont enfants de Satan. Physiquement, c'est ton bébé, c'est ton bébé biologique. Mais nous voulons que les gens se rendent compte de ça, afin que les parents qui ont reçu Jésus continuent à prier pour les enfants, même avant qu'ils atteignent l'âge de 4 ans, 5 ans, aussitôt qu'ils commencent à mentir ou à voler. C'est le moment de prier avec ton enfant afin qu'il puisse recevoir Jésus et grandir comme un enfant de Dieu. Il ne faut pas attendre qu'un pasteur vienne à la maison ou bien un évangéliste vienne faire une campagne d'évangélisation, puis une croisade, avant que ton enfant reçoive Jésus. Je vous donne la sagesse et la connaissance. Je te dis ceci. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il est dit ceci. Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, si je crois dans mon cœur, que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts, je suis sauvé. Papa, maman, tu peux répéter cette prière. Vous la répétez doucement, vous dites Seigneur Jésus, et ton enfant répète Seigneur Jésus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. L'enfant répète. À la fin, l'enfant va maîtriser la prière. En, en confessant cette prière, l'enfant est déjà sauvé dès le bas âge. Et puis tu vas prier pour lui afin qu'il soit rempli de l'Esprit Saint. Et voilà, l'enfant va grandir maintenant dans la connaissance du Seigneur. C'est déjà quelqu'un qui est sauvé, qui a été arraché du camp de Satan. Il est maintenant chez Dieu. Et nous parlions tout à l'heure des péchés commis. Les péchés commis auparavant, avant de croire en Jésus, Dieu ne tient pas compte de ses péchés parce que Jésus les a portés sur la croix. Il a payé le prix, il a payé son sang pour nous racheter. Alors nous allons lire encore un verset de Romains chapitre 3, toujours pour voir qu'est-ce qu'on devait faire avec les péchés commis avant de croire en Jésus. Nous commençons par le verset 23. Je vais lire euh, Romains chapitre 3, verset 23 jusqu'à 26. Nous allons voir ce qu'il est dit. Ici, on nous dit que car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le verset 23. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est, qui est en Jésus-Christ. Le verset 25, Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni. Vous entendez bien? Parce que Dieu a laissé impuni le péché commis auparavant. Je reprends encore. Dieu a laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voyez les péchés que tu as commis avant de croire en Jésus. Jésus les garde, Dieu les le garde ça comme impuni Donc tu n'as plus à te tracasser des péchés commis avant de croire en Jésus. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre maintenant que tu es devenu juste devant, devant Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Vous démarrez dans une nouvelle page, vous démarrez à zéro péché. Alors, pour garder l'état de, de zéro péché, justement, on doit t'enseigner, on doit te prêcher la parole de Dieu. Toi aussi, tu dois lire, tu dois apprendre la parole de Dieu, tu dois assister au culte. C'est ça ta nourriture spirituelle. Quand tu les fais, vraiment, vous allez vous sentir bien dans votre peau que vraiment vous êtes enfant de Dieu et vous avez les bénéfices d'avoir cru en, en Jésus. Il y a un autre point encore. Souvent on parle des malédictions générationnelles, les malédictions de tes parents, de tes pères, ainsi de suite, tout ça. Vous savez que Dieu, il est plus intelligent que nous. Il connaît ces choses avant même que toi tu les connaisses. Alors Jésus sur la croix, il avait étalé ses mains, il a dit Père, c'est fini. Donc il a fait un travail complet. Il s'est occupé de tous les détails de l'homme. Et puis tout ce que Satan a provoqué sur la terre, quand Adam a péché, Dieu connaît quel genre de, de dégâts qui s'est produit sur l'humanité et dans le monde entier. Maintenant, Dieu envoie Jésus comme sauveur. Je crois que Jésus va prendre soin de tous ces petits détails. Alors, quand vous croyez en Jésus, vous êtes sauvé, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues quoi Nouvelles. Ce qui fait que le péché commis par tes parents, par tes aïeux, tes ancêtres, toi, tu n'es pas concerné. Je crois que les jours viendront où on va parler vraiment des choses qui concernent la délivrance. Tu n'es pas considéré, tu n'es pas, pas impliqué. Nous venons de voir ici que Dieu a laissé impuni les péchés commis auparavant. Et puis tout à l'heure, nous avons vu dans Acte 26-18 Jésus demande à Paul de trouver de ouvrir les yeux aux païens afin qu'ils sortent des ténèbres vers la lumière et puis qu'ils sortent du royaume de Satan vers Dieu et la puissance de Satan vers Dieu quand tu les fais tu es maintenant dans le royaume de Dieu toutes ces choses là sont des choses passées et voici toutes choses sont devenues quoi nouvelles c'est ça qu'il tu doit croire tu dois croire maintenant tu as reçu une, une nouveauté de vie, tu es devenu enfant de Dieu tu as été justifié tu as été sauvé, tu as été sanctifié. Maintenant, ton travail, c'est de lire, confesser la parole de Dieu. Chaque jour, chaque jour, de comprendre les réalités de la nouvelle, euh, de, 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 de comprendre les, les nouvelles réalités en toi. Mais si tu ne crois pas que tu as été pardonné, là, tu te condamnes toi-même. Donc, en ce qui concerne le péché, toi, tu dois croire. Et Dieu t'a pardonné. Et il a oublié. Parce que Dieu ne ment pas. Nous allons lire en ce qui concerne les pardons des péchés. Hébreu. Euh, Hébreu. Chapitre 8. Hébreu chapitre 8. Verset 8. Hébreu chapitre 8, verset 12. Nous Parce que je pardonnerai leurs péchés, <coughs> leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. <coughs> Donc, Dieu a pris la décision de pardonner des péchés et de ne pas s'en souvenir. Donc, je crois que mon temps est déjà passé, on me signale. Alors, nous allons prier avec vous. Comme au début, n'oublie pas que le, le but de cette émission à l'école de Jésus, c'est de vous présenter Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Alors, si, dès que nous le recevons, nous recevons beaucoup d'avantages, dont le temps m'empêche même de tout dire en détail. Mais soyez sûr que quand tu es sauvé, vraiment, Dieu prend soin de toi en beaucoup de, de domaines. Et tu dois le croire et ainsi tu vas les expérimenter. Alors, je vais t'inviter de prier avec moi cette prière pour recevoir Jésus. Nous prions maintenant ensemble. Répétez après moi cette prière. Répétez Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche, tu es mon Dieu, mon maître, mon sauveur. Je crois que Dieu le Père t'a ressuscité parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Je suis sauvé au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Et je suis délivré au nom de Jésus. Voilà mes frères et sœurs. Si vous avez prié cette prière là-bas, vous êtes devenus de nouvelles créatures. Que Dieu vous bénisse. On se verra à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Bye. OCN. Open Door Communication Network Our Frequency Watch us on live stream twenty four hours. CN giving the voice of the Lord.